bien, salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la map du DLC Zetor. Donc il y a tout le monde qui est là, et on a des nouveaux modes, donc tout le monde il est content. Donc, oh putain, Maxi, merci. Ouais. Voilà, salut à tous. on a Sam. Salut. On a Julia. Salut. Et on a, regardez là-bas en direct, la solitude, Simon. Salut. Hop. Donc la map a extrêmement comment dire, beaucoup avancé. Oui, on a avancé un petit peu, même beaucoup trop peut-être. On a des nouveaux modes. Vas-y, Julien bouge plus. On a, qu'est-ce que je fais? Mais attention, je bois. Putain. C'est le tournicule. Toujours et toujours sans triche. Toujours sans triche. Ouais. Ouais. Simon revient pas. Alors on a un petit Zetor Forterra 100 HS. Maxime, tu crois pas que je te vois pas? Mais ils sont pourris tes bazars là, j'y arrive mieux que le truc avant. Ouais. Je sais. Donc après on a un vieux machin, un Zetor 734.0. Voilà, il a un beau klaxon, tout le monde y est content. Qu'est-ce qu'on a? On va t'en apprendre. Pour rester dans le DLC Zetor. J'ai tort. Allez. Donc aussi, on a un petit cheval. Un petit nommé celui qui ouais. Nommé le plus moche de là. Donc la bombe aussi, on peut voir aussi, c'est la version sans. Putain, évidemment le poteau. On a la version sans chargeur, mais avec relevage. Voilà. Encore une pose ça sur le plateau. Et le dernier mode, donc c'est nommé le plus moche de la maison. Voilà. Le préféré, Julien. Le Zetor 1441. Oh merde, attends, excuse-moi. Voilà. Là, t'as eu un bug, hein. Donc, grâce ouais, au bois, tout ça, voilà. On a acheté une petite benne, voilà, petite figueule. On a, comme vous pouvez voir, acheté le champ. On a acheté une ensileuse aussi, voilà. Cuirant, du DLC. Donc, pour ceux qui vont pas nous croire qu'on a pas fait son cheat. Hein. En fait, on a ensilé, et puis on a mis ça au biogaz, et puis c'est pour ça que maintenant on est à 500 000. Et puis, grâce au poney qu'on a vendu. Donc, voilà l'intérieur, vite fait, voilà. Et puis, grâce au bois aussi. Ah bah c'est ce que je dis, grâce au poney. Ah oui. Un cheval. C'est trop génial. Bon, toi, vu que tu passes mieux, on va te foutre comme ça là-bas. Thomas, ton tracteur il fait chier. Ouais, bah. Le machin à semer, tu le mets où, Thomas? Bah, tu sais, comme il est parti Gaspé, parce qu'en fait, on a acheté celui-là et on a relié ensemble, comme ça fait un champ plus long, mais comme il veut pas, et bon, on va le foutre de travers. Voilà. Thomas, la prochaine fois, il faudra que tu prennes des ballots au carré. Hein. Ouais, c'est vrai. Et les enfants, j'arrive. Hop, voilà. Alors, voilà, petit Zetor toujours présent. On a pour en arrière vendu depuis le dernier épisode. On est plutôt racheté que vendu. Non, tu pousses. Voilà. On a les finances sont plutôt bonnes. Et madame, poussé. Pourquoi t'as piqué mon ballot, Thomas? Parce que merci. Julien, il a refait tomber le ballot derrière vous. Ouais. Oh, voilà. Bah tu m'étonnes, attends. Bah merde, n'a qu'à prendre les fourches revers, c'est tout. Bon, bah, je voulais proposer hein, les enfants, mais bon, hein, voilà. Okay. Putain, je l'ai perdu. Putain, il a lissé ce machin là. Ouais, t'as vu ça? Il a le washab et tout, hein. Personne ne me croyait. Tout le monde disait c'est de la merde, voilà. Merci. C'est moi qui t'ai dit de le prendre en plus, alors. Bon, c'est toi qui disais qu'il était moche. Bah il est moche mais c'est moi qui t'ai dit de le prendre. Ouais merci. Pourquoi chaque fois que je veux prendre un ballot tout le monde me le pique? Parce que je t'aime pas. Tout est moche. Mais par contre moi je sais pas si je vais rouler avec ce plateau là. Merci. Au pire si tu veux tu descends du tracteur parce qu'il consomme comme il y a pas. Hein. Et que sur les routes tu le prends. Voilà. Ah c'est vrai? Ouais. Bah oui mon gars j'ai... Attends, j'ai juste eu le temps de faire 4 ans de... Tu aboter, parles d'un con. Ah, j'étais posé dessus, il se barre lui. On avait jamais été avec. Julien, il avait jamais été aussi bien, puis voilà, tu viens le faire chier. Bah, je vais remettre du gasoil tout de suite. Ah ouais, bon, voilà. Pour une fois, j'étais droit, mon dieu. Au revoir. Ah, là, c'est le nuage noir que j'ai vu. Ah, voilà, il va se casser la gueule celui-là. Oh, bah, bon, c'est censé être un plateau, hein. C'était quoi ce rire de fond, s'il vous plaît? Et limite, on aurait pris les bennemètres, on les aurait mis dedans, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été rangé, mais en bordel, mais ça aurait été rangé. Au pire, on prend le machin automatique. Ça met 4 dedans. 8. C'est ce qu'on t'avait proposé aussi, Thomas. Ouais, mais toi, ce que c'était. Ça, c'est merdique.
C'est merdique. Soyons clairs, les enfants, c'est merdique. Moi, je t'appelle les enfants. Simon, c'est toi qui l'avais dit. Ouais. Les enfants, ça me casse la tête. Enfin, ils suivent pas. C'est oh là 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 là. Ça me casse la tête. Voilà. Et Julien, tu peux continuer à ranger. Allez, c'est qui qui m'essaie? Putain. C'est quoi ce bug de merde? Oh, je me suis barré. Hein. Ouais. Tiens, j'ai un gros bug. Normal, il a acheté. Il est où mon plateau? c'est pour ça que j'ai dit tu peux continuer à ranger. Dans le coup, vous arrêtez tous en fait. Bah, attends. Ouais, il a vendu le plateau, l'enculé. Attendez, les enfants, voilà. On va s'y foutre à deux. Et deux autres qui regardent. Bah, il y en a qui peut se mettre, hein. Non. Arrêtez. Et puis, un autre qui peut prendre le cultivateur aussi. Bah, t'en as un cultivateur déjà. Ouais, mais il y en a un deuxième. Et tac, je suis baisé. Tac, regarde ça. Allez, hop. Oh, il va me baiser la gueule. Allez, vas-y. Allez. Oh merde, le con. Oh merde, excuse Julien. Putain, enfoiré. Dégueule. Oh tiens, Julien, je te laisse le mien. Mais non, vas-y, vas-y. Non, tiens, prends-le. Mon fou. Prends-le, regarde, il est là-bas. Il t'attend. Il t'appelle là. Julien, viens me voir. Allez. Prends-le, hein, Julien. Mais non, vas-y, vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. On va me battre. Et dans le champ 14, il y a quoi, Thomas? Alors, le champ 14, putain, je bug à mort. Y'a plus rien. Ah, c'est à cultiver aussi? Je crois. Ouais, je crois, ouais. Moi, je vais prendre le moche qui consomme. Voilà, peut-être. C'est qui me suit? Quelqu'un un peu. Putain, j'ai un gros bug, moi. Ça doit être Julien qui tue, non? J'ai tiens un plateau plein, yep. Ouais. T'as ton petit glisse, quelqu'un est pas en train de télécharger. Le petit là, ouais. Quelqu'un est en train de télécharger un truc. Mais qu'est-ce que tu fais, Sam? Mais non, moi je suis pas sur internet, quoi. Tu télécharges pas la Belgique? Ah, attends. Allez, les gens peuvent dire. Bah, attends, les amis. C'est moi qui bug. Qui bug. La c'est mal. On les range où les bols? Ok. Et pourquoi l'autre il s'est mis en travers là? Parce que sinon il s'arrête tous les à chaque coup, après si tu veux prendre ta place, n'importe. Non, moi je suis déjà en train de mettre de l'engrais en fait. Ah ouais, ok. Bah, attendez, ouais, question, on est où les ballons? Au pire, tu sais, de l'autre côté de la route là, y a un truc pour les vols là. Julien, il reste un tracteur ou faire, pas ce que je fais. Oh, ouais, il y a ce qu'il faut, il en reste un. Il en reste un, il en reste. Sinon, vous pouvez mettre Julien. Du maïs, ça se met dans le 19 ou je suis là. Attends, c'est impossible. Ouais. Essaye de prendre mon tracteur, vas-y. Si tu bugs moins. Et Julien, qu'est-ce que tu fais? Je te vois plus bouger. Attends, je bug depuis tout à l'heure là, c'est dingue. Je coupe internet, toi. Tu bugs moins? Oh bah non, c'est pareil. C'est pareil. Bah Thomas, tu peux le mettre si tu veux le. Ouais, attends. Bien, tu bugs comme ça. Faudrait qu'on investisse quand même dans un smoir. Bah, je l'ai dit, c'est un smoir direct. Faut déjà qu'on investisse dans les vaches. Voilà, c'est pour ça. Bah, et puis il y en a combien là en dessous? On a assez proche des vaches. Donc là on en cile tout comme ça, tout. On en cile quoi? Je sais pas, du maïs. Là faudrait peut-être le semer avant de en cile. Oui, bah c'est pour ça. Tu avances avec ton tracteur. Par contre, on refait peut-être pas le 23 parce que c'est un peu long. Bah, en cile avec la 8 rangs. Ouais. C'est un peu long, mais ça rapporte. Hein. Dans les mets où les ballons? Attends, hop. Dans le bâtiment. En face, derrière, en face à route, je pense. Parce qu'en fait, il y a plus trop de. Il aurait fait lui avoir dit les bâtiments Frabel. Le triangle. Ouais. Non, pas le triangle. Les bâtiments machin, les baisers. Ah, ça c'est des bennes. Ah bah il est là, bah il est cultivé. Baiser. Bézier là, si vous voulez. Bon bah il est déjà cultivé celui-là. Attends, c'est qui est là? Thomas, intelligence. Regarde. Non, c'est pour les vendre là-dedans, c'est pour les vendre. Ah bon? Va pas dedans, va pas dedans. Il y a nouveau des balles. Pourquoi j'entends des sous, moi? Il n'y a pas que des balles. Bah non, j'en ai pas envie, je n'ai pas envie.
sais pas moi où est-ce qu'on pourrait les rentrer. Mais là, derrière le truc à balles, il y a un bâtiment. C'est où tu veux. Mais où il y avait les tracteurs à fourche, tu les rentres dedans. Hein. Attends. Ah non, mais il sert déjà à ranger le matos. Attends, il doit regarder les vaches. Ça, c'est pas un bâtiment pour mettre du matos. Hein. Pour les fous là après. Ou alors tu mets ça dans le coin où tu sais où faut vendre là les. Bon par contre les gars bougez-vous le cul parce que j'ai plein de balles devant moi. Bah vraiment t'as vu. Ouais. Au pire t'arrêtes hein, merci. C'est obligé, y'a quelqu'un qui vend. Non, l'argent monte pas. Et baisse même. Et Julien t'es où? Oh putain, heureusement qu'il y a le poteau. Je suis là moi à côté de Thomas. À côté de. Je sais pas si l'ouvrier là. Oh putain, bah voilà. À côté de l'ouvrier, je sais pas qui c'est. Ah, regarde Maxime, regarde, et voir. Bah, t'es où? Bah, parce que tu viens de poser tes balles qui sont pas non par terre. Tu fais chier, Thomas. Je sais, excuse-moi. Oui, il consomme le petit. Là. Oh, bah oui, lui, Et il était plat quand je l'ai pris. Je suis au moins. J'ai déjà perdu un quart. Allez. Oh les gars, venez devant moi là où je suis. Mais on sème quoi dans ce champ là? Je sais pas. On met du maïs ou pas? Dans le 23? Ouais. Parce que si on met du maïs, ça sert à rien de le déchaumer puisque le semoir il sème direct. Ouais, bon, il faut trouver du boulot. Ouais, ok, Sam. Ah, le semoir il sème direct celui qui. Ah bah fallait pas le dire, putain, sinon il va. Impeccable, sauf. Un bon. Level sous. C'est quoi, moi? Ah non, pas celui du DLC, bah non. Non, pas celui du DLC. Ah, non, l'autre, il parle de l'auto-combiné, là. Bah non, mais même ceux du jeu, là, le smart maïs du jeu, il sème direct. Mais ah pas bon celui du DLC. Voici mon t'es baisé. Putain, baisse botte. Par contre, il est pourri, ce tracteur. Hein. Y a pas d'autres auto. Mais c'est pas des mythos, parce que je me tape pas tout le champ à déchaumer alors que y a pas besoin. Ça, et là, maintenant que tu as dit ça, ils auraient essayé maintenant. Thomas, t'as vendu le tien là ou le truc à balles? Le truc à balles? Y'en a un sur le Steyr, ce je crois. Et quel truc à balles? Ouais. Le truc pour ramasser les balles rondes. Attends, il y en avait deux, je vais t'en acheter un sur. Il me semble hein, qu'il s'aime pas en direct celui du DLC. Bah non, y a rien dedans, hein, devant, hein, tu sais. Et il me double. Il me pousse en plus. Bon, bah, attends, je viens acheter. Bah attends, prends le Steyr ou je sais pas quoi, je vais en acheter un. Ouais, j'arrive. Alors. Et tu peux arrêter de me pousser, Julien. Merci. Hop, ça c'est acheté. Ah là, les gosses qu'on fait pas soi-même. Hein. Franchement, on est d'accord. Dire, je vais lui rentrer dedans, mais j'arrive pas à aller aussi vite que lui. Sinon, tu l'as acheté le. Merde. Tu l'as pas acheté le truc qu'on met sur l'ensileuse là pour ramasser les andins d'herbe? Non. On a même pas la machine à faire à andin alors tu sais. Il faut qu'on s'y mette. Parce que sinon, avec les andins de paille, ça marche, je crois. Ouais. Et puis ça te fait de l'ensilage. Donc, au lieu de faire des ballons, peut-être faire ça. On a une ensileuse. Eh ben. Bah, une ensileuse, c'est ça. On ah sait. Ouais. Voilà. Tu vois pas ce que je veux dire? Si, je vois bien. Ah bon, on peut faire ça. Comme ça, de une, ça nous évite de faire de la paille, puis ça nous fait plus d'ensilage. Ah, mais bon, le problème, c'est que si on fait pas de paille, on fait comment pour pailler les vaches? À l'auto-chargeuse. Ouais, mais t'es obligé de faire un champ tout le temps, quoi. Ouais, tu stockes la paille dans l'auto-chargeuse. Ah ouais, faudrait qu'on trouve un champ pour à le semer en herbe. Je sais pas, genre le 10 ou le 11, faudrait semer un champ en herbe quoi. Thomas, j'ai renversé les ballots. Mais de toute façon, maintenant t'as un stylo en herbe. Je te crois pas. De toute façon, tu sais, t'as un stylo pour mettre l'herbe en vrac. Où? T'en as au Berka, je sais pas s'il y en a au vache, je pense. Je crois pas. Et Thomas, quand tu lèves ton truc là pour les poser par terre. Ouais. Il se lève entier ou qu'à la moitié? Quand tu lèves ton truc. Bah entier. Mon truc là, quand tu veux les poser par terre, tes ballots. Narcusin. Ouais. Il se lève entier ou il se lève qu'à la moitié? Bah entier, sinon j'ai encore du vide. Bah non, moi je le vois lever entier. Ah bah moi je le vois à la moitié.
Et du coup, c'est pour ça que je suis obligé de les poser loin, les bols. Puisque je les vois pas. Putain, je vais remettre du temps à déchaumer tout ça. Pas grave, t'inquiète pas. On va s'en remettre. Il va mettre un ouvrier. T'inquiète pas, il va s'en remettre. Y'a pas ta Louisiane sur cette map là. Map d'origine, tu sais, c'est quoi Ils auraient pu mettre un multifruit. Ils savent pas faire, Giant. Bon. C'est vraiment con. Putain, ouais. J'avance bien en culti là. Ouais, je vois ça, c'est la deuxième bande. Tu n'auras fait trop, tu seras content. Elle sera libérée. Bah oui, mais attends, ça avance pas vite, hein. T'as vu les longues bandes qu'il va faire? Ouais. Tu fais de l'autre sens. Bon, je vais me promener dans le magasin pendant que l'ouvrier il fait ça. Ok. Et Géa, tu bailles toujours? Non, ça là c'est bon. Toi, c'était la faute de Thomas. Oh bah, ça recommence. Toi, t'achètes le culti 12 mètres, Thomas. Putain. Ah, Thomas? Le 12 mètres? Ouais. Ah bah, attends. Bah, tu sais, le Henken là, le tout grand. Henken, ouais. Cool. Le Henken. C'est ça. Henken. Le Henken. Bon droit d'auteur, merci. Oui. Et ça fait penser à de la bouffe là. Si je comprends. Je lui enfonce bien profond. En fait, on a laquelle on a la. Moi, je bouffe, on a même pas la plus grosse moissonneuse du. Non. DLC. Non. Ah, bah non. Ah Thomas, tu pousses ton cul, tu l'achètes. Eh, les temps sont durs, hein, monsieur. Les temps sont durs, mon petit gars, et on a pas beaucoup de champs, nous. Hein. Mais lesquels qu'on peut acheter? Et quel champ? Le 58, non. Il est bien. Le 58. Attention, le 58, il nous l'a foutu où, lui? Il y en a pas. Voilà. Je me disais bien, putain, mais j'ai vu jusqu'à 36, mais après. Le 35 il est bien. Ou le 18. Le 35. Il l'a foutu où, lui? Il n'a pas. Ah, oui. Non, par contre, moi j'aime bien le 9. Et Thomas, moi je veux que tu m'achètes le 9. Ouais. Oh putain, c'est le plus grand de la map en plus. En plus, il est paumé le machin. Ouais. Mais c'est au pire pour le 1. Ou le 1. Et les gars, ça vous dirait ou pas que pour notre façon à nous, on ferait des bercas? Bah ouais. Pour changer, c'est comme on a le silo en vrac et tout là. Et au pire, quelqu'un. Alors attends, ils sont les bercas. Et puis au pire, on fout le 36 en herbe. Pour les bercas. Ouais, pourquoi qui c'est qui m'achète un semoir? Bah t'as un semoir déjà. Mais non, il est en train de semer. Et bah tu te démerdes. Puis c'est tout. Hein, mais non, mais rachète-en un. Putain. Ah, Thomas, rachète-en un plus grand parce que t'as vu l'état du semoir toi. L'état. Simon, as-tu vu la tâche de la bête? Attends, Et Simon me. Quoi? Non, attends, c'est bon. Non, mais rachète-en un plus grand au pire, s'il te plaît. Attends, tu peux aller voir parce que... et tu verras les champs, comment qu'ils coûtent une blinde là-dedans. Ouais, bon, bah attends, je m'en vais faire un petit tour. Est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Non. Les temps sont durs. Comment comprends-tu? Bah ben voilà, ils sont bien ici, les ballots. Les pas sont. Et tu veux que j'aille faire quoi? Bah, tu vas voir le prix du 36 là. Mais j'aime pas cette. T'es pas dans le sol là par hasard? Il veut pas monter le con. Bah ouais, forcément tu tombes dans le sol. Con. Attends, celui-là il va à 52, mais après je crois que l'ancileuse va plus vite. Il va y aller en ancileuse. Il va y aller en ancileuse quoi, non mais allô. L'ancileuse elle roule à 43. Bah ouais, elle avance bien. Oh bah y'a plus de bon, ballon. Plus vite il va à 52. Sûrement. Même si c'est un tracteur de merde. Moi j'en vois plus beaucoup. Là. Ah ouais, le Zeta il va à 52 lui, ouais. Le vieux. Et pourquoi il a mis un ouvrier lui? De qui? Parce que ça le suit trop là. Voilà. Bon, sur le treu, je fais un. Mon petit chéri. Petit canard. Regardez au fond du champ, c'est des. Bon, alors faut que j'aille voir quoi en fait? Attends, maintenant qu'on a fini, je vais aller voir pour montrer la map. Tu vas pas en parfait ça? Eh Thomas, je vais me promener avec toi. Oh putain, c'est Gorpia. Oh alors, Dieu, il les a pris les deux. Attends, voilà, et au pire, venez ranger les balles, on va les mettre à côté. Ah, je sais où est-ce qu'on va les mettre, les chariots. À côté. Julien, où les mis où les balles? Hein? Prends mes 6 à moi, comme ça au moins ça te fait un auto-stack complet. Et il a encore des balles? Il n'a pas attends, retiens. Il n'a pas qui a dit allô? Hein? Allô?
Non mais à l'eau. D'accord. Et de la merde dans le cul. À la bière. Simon, fais pas chier, j'aime pas quand tu vas arrêter des balles. Quand tu bugs. Bon bah moi je vais reculer dans cet hangar là. Eh bah là. Ouro. 4L. Merde, j'ai pas pris les deux. Non mais c'est de la merde à reculer là-dessus. Normal, t'as mon tracteur qui est de la merde. T'as pas à y venir. C'est pour ça qu'il veut pas que tu viennes. On va faire une grande marche arrière, super vitesse. Attends, viens pas, on s'en va, on s'en va, on s'en va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'en va. C'est parti. Attends. Hello. On était tout près de la catastrophe, mais l'enfant. Oh putain. Quand je veux. Putain, mais je veux pas qu'ils viennent. Je veux pas. Vas-y, refais une marche arrière pour voir. Top. On arrête les frais, on va au 36. Hein. Alors, Thomas, on va au 36. Oui, allez, dépêche-toi, nom de Dieu. Hop, on a eu le gyrophare. Oh, Julien, je sens qu'il va bugger. Et pas. Le temps qu'il m'a accéléré. Oh putain, ils arrivent plein bol ces enfants là. Au pire, bah Sam, ouais, vas-y, si tu veux. Ah, c'est bien, faut bien jouer. Et c'est moi qui roule le plus vite. Bon, la même vitesse. Quoi, Julien? À combien vous roulez? 51. 52. D'accord. Tu vas à 52, j'ai plus de que toi. T'as vu, combien? Moi, j'ai à 42. Là, je suis à 47. Non, mais toi, Thomas, tu vas combien? Là, je suis à 50. Mais on a les mêmes tracteurs. C'est vrai, c'est... Vous êtes parti où là? Ah, baiser. Ou mouton. On s'en va au 36 là-bas. On va chez les Berkas en direct. Eh, hey, on a. Putain, on avait exactement 507 000. T'as putain, pourquoi hein je pars? Puis tout le monde est parti avec vous là. Non, ouais, moi je suis pas parti en fait, ils me sèment donc j'y vais pas. Là, tu vois, Simon, t'as un silo en vrac exprès là, en mode de l'herbe. Où? À côté du 28 là, tu vois pas le truc avec la benne verte? Ah, il est quand? Aussi qui arrive à fond de balle. Putain, Brider. Il braque de rien. Tu t'es planté, oui, c'est ça. Il braque de rien, ce con. Non, mais moi, c'est surtout qu'il a trop braqué. Il a pas assez braqué aussi. Ah, moi, ouais, j'ai vu ça. Allez, The Racceleration. Oh putain, mais regarde ça, là-haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais bon, il arrivait pas à monter dessus, alors il a glissé. Il arrivait pas à revenir sur la route. Bol là. Vas-y, essaie de passer, je suis pas chef piéton. Bah t'es beau toi. Mais Thomas, y a pas besoin d'aller là-bas pour avoir un silo en vrac, y en a un là. Bah oui, je sais. C'est pour ça que je l'ai dit en fait. Y en a un là. Mais je sais, il y en a deux. Il y en a trois. Putain, il y en a un bloc quoi. Il y en a quatre. Putain, mais SD. Il y en a quatre sur la boîte. C'est dans la boîte. Oh, mais y a une de ces pentes là. C'est dans la boîte, Maxime. C'est vrai. Bah, putain, ouais. Mais par contre, il est dégueulasse le silo, merci. C'est dans la boîte encore un coup. Si moi tu peux pas mettre du maïs là-dedans. Mais tu peux mettre que quoi? Bah de l'air pas dans la boîte, pour les moutons. Carton. Oh là là. Bah que de l'air pour les moutons tu peux mettre. Tiens, pourquoi j'arrive pas y aller? Tu vois, je vais y aller au fond balle. Il y a une route là. Putain, il braque rien ce tracteur de merde, je suis arrivé dans le mauvais champ moi. Je sais, va falloir investir des tracteurs plus gros là. Non mais moi je crois qu'on a le mouton. Bah oui, je suis dans la boîte. J'ai 36 en même temps. Sam. Hein? C'est dans le carton. Allez, et les gars, faites vos paris, il vaut combien pour vous le champ là? C'est le gars. 150 000. Et pour moi il vaut 600 000. Attends, je l'ai pas encore vu. 160 000. Le 36. Non, je rigole. Bon, non, allez, moi, je parie sur 300 000, Thomas. Sachant que le 23 valait 130 000. Moi je dis 160. Celui-là, je suis sûr qu'il vaut 300 000. Moi je dis 100 000. 140. 100 000. 101 700 euros. Ah, je voulais niquer. Oh bah, Simon était loin. Ouais. Oh bah, moi je dis 300 000. J'aurais pu en diviser par deux, ça aurait fait 150 000. Ouais, mais bon, t'étais loin quand même. Et pourquoi on achète pas 35 au passage? But il est trop loin. Autant acheter, je sais pas, les ceux qui sont autour de la ferme. Bah, alors ça nous fait promener un peu. C'est trop. Ok, et faut acheter Ulberka ou pas? T'as regardé comment qu'il braque rien sous quoi. J'adore Thomas, il essaie de braquer pour revenir sur la route, mais braque il le tout, braque le tout, braque le tout. Il va me balader avec lui, tiens. Hop, merci. Voilà, Ulberka avec ma tronçonneuse, voilà. L'autre, hello. Ah, bol là. Allez, les enfants, on achète combien de moutons? 100. Non, bah attends, ouais, on est centré chez les enfants. Putain, je vois Ulberka qui apparaît. Oh, Ulberka qui court dans tous les sens, et moi je suis avec ma tronçonneuse. Ouais.
Allez, j'en ai acheté 50. Et si vous... Thomas, j'ai tué les moutons. Oh putain, le con. Bah, tu les as attendus, ouais. C'est bon. On va faire un kebab. Et tiens, on va aller toujours les moutons pour voir. Putain, pourquoi je suis tout petit comme ça? Parce que t'es okay. Petit. T'es petit, puis t'es con. Voilà. Attends. Les enfants. Attends-moi, Thomas. Oh putain, allez, on se casse. Voilà, silo. Pour ceux qui voudraient savoir ça sert à quoi ça? Est-ce qu'il y a un truc, y a un niveau de remplissage ou pas là-dedans? Eh, consomme ton tracteur pourri, l'eau. Ouais. Oh, mais aussi, j'ai plus de 31 litres. Mais celui-là, tu sais que le petit volant sur la droite. Ah bah là, mais qu'il est con. Ouais, Simon, regarde. Oui. Oh là. L'autre, il sème du maïs, il a plus que 26 litres dans. Comment que t'as fait? C'est ma façon à mouer. Regarde, oh là. Voilà, il vient de découvrir qu'il va les hisser. Dans le tracteur. Attends, qui regarde. Et moi, je prends large. Parce que, et Simon, regarde comment que je prends large. Voilà. Avec j'ai la part. C'est ouvert, une petite fenêtre. Oh, bah, moi, j'ai all bugué. All faisâtre. Chef, j'ai plus d'essence. Et bah, c'est all ton problème. C'est pas grave, tu roules à 0 litre alors. Hein. Mais je n'ai plus que 28. Tiens, voilà l'autre genre. C'est qui? C'est qui? C'est Maxime. Mmh. Bonjour. Bonjour. Allez, et Simon, on le trace. Ouais. Et c'est parti, mon kiwi. Oh là là, on s'appelle des tôles. Putain. Oh, que c'est magnifique ça. Putain, Thomas, viens nous aider. Vous vous démerdez, hein. Mais non, mais viens nous aider, vas-y. Putain, puis il m'a baisé en plus, hein. Moi aussi, je suis coincé. Thomas, viens nous aider. Putain, mais ils sont vraiment cons. Petite photo. Oh, putain, il est ressorti en plus, ce con. J'arrive, les petits gars. Maxime, dégage, il va me baiser. C'est pas le but d'une vidéo de se faire coincer tout le temps. Bah, vous pouvez me foncer dedans si. Moi, je dis, j'avais envie de dire, on le laisse là. Mais... On n'est pas comme ça, nous, on est encore plus. Faut se prendre l'avance, hein. Merde. Tu veux qu'on fasse quoi? T'as vu la puissance de merde qu'on a? Ah, bon, pire, moi, tu te démerdes, hein. Allez, salut. Non, mais c'est à cause de l'autre PD que je suis là. C'est carré, je suis le corps, hein. Ouais, Julien, elle arrive au cours. Oh, j'arrive, ma capin. Coucou, Coyote. Coucou, Coyote. Ça va rester marqué, ce Coyote. Et regarde, Simon, regarde comment que je... Voilà, comment je braque, voilà. Vous êtes réussi à le décoincer, là? Non. Attends-nous, toi, Maxime, là. Lève ton chargeur, lève ta fourche, lève ta fourche. Mais vous êtes où? Sur un pont de merde. Oh, allez, vas-y, bloque-toi bien. D'accord, voilà. Oh putain, c'est qui le... Oh, on a quelque chose, là. Oh là là. Faut le prendre de derrière. Je préfère mieux le devant. Vas-y, Thomas, pousse-moi encore, comme ça on va sortir le tube. Dégage, Maxime, dégage. Mais non, regarde, tu vois. Mais non, tu vas recoincer, toi, sans l'enculé. Mais non, là, tu sors. Regarde, tu vois. Mais tu veux que je sorte comment, là, putain? Mais Thomas, il m'avait décoincé, t'arrives, toi. C'est comme ça que je suis sorti de ta gueule. Attention, les petits gars, j'arrive. Maxime, dégage. Merde, vas-y. Bon, Julien, qu'est-ce qu'il fout, là? Encore voilà, tout calme. Donc attends, tu me refonces un petit coup dans le cul. Et Maxime, tu restes où t'es? Et non, moi je me sauve. Non, tu sauves pas, tu restes là. Julien, tu fais quoi sous le pont? Je suis pas sous le pont, hein. je suis dessus le pont. Ah bon, moi je te vois sous le pont, moi. Il fait la manche. Ah non. Possible. Ah si, bah moi je suis sous le pont. Il y a des bugs. Raté. Il y a des lags. Cherche pas, il fait la manche. Maintenant je suis B. Baisse ta fourche là-dessus maintenant. Bah là, les relève là, ce que tu vas devoir bloquer. Et recule au bloc. Vous êtes baisse vote là. Recule au bloc, mon petit gars. Ferme ta gueule, toi. Après, et Simon, on le prend en sandwich si on le voit tout à l'heure. Si t'arrives à m'entendre. Ouais, sinon on est dans la merde. C'est quoi ces gays là? Tu veux tous se taper dans le cul comme ça? Allez, Simon, on est reparti. Maxime, fais gaffe à ta gueule. Fais gaffe à ton cul.
Pop, tonton Thomas arrive. Il va bien s'occuper de toi. Vas-y, attends-nous, Maxime, si t'as des couilles. Bon, alors là, tu me connais pas, toi. Vas-y, arrête-toi. Il est parti par où, ce con? Attends, il va s'arrêter. Il est arrêté. Je vous étais. Et j'ai un problème, c'est que j'ai plus de 10 litres. Hein. Bah, mais tu t'en fous, je te dis qu'à 0 litres, il avance toujours. L'autre jour, ce bot-là, il avait 0 litres. Et j'étais avec qui? Avec Julien, je crois. Ah ouais, oui. Julien s'en rappelle pas, mais il dit oui quand même. Ah ouais, je viens de leur coincer, hein. Je sais pas qui c'est qui arrive, mais je crois que je viens de leur coincer. Je suis un bon pilote, pas du coup. Putain, dans le tracteur qui sème du maïs, il reste plus que 6 litres. Oh putain. Qui dit mieux? Bah moi, 223 litres. Allez, ta gueule. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce tracteur de merde, non? Et Maxime, là, c'est de l'autre sens, la ferme. Allez, ferme tout gueule maintenant, Maxime. Bon, je m'en fous, je fonce. Bon, allez, je vais aller acheter un petit champ, moi. Alors, bah, on fait moi le malin, là. Tu vas encore acheter un champ, là? Ouais, un petit champ, je sais pas. Putain, t'as su c'est ton banquier, toi. Ouais. Et t'as cru que t'étais créé juste, non? Ouais, je sais. Ça vous, au moins le 10, je sais pas. 3 litres, attention. Putain. 8. Moi, c'est 229. Je suis à 8. Moi, 223. Je te taxe un peu d'argent, Thomas. Vas-y, vas-y. Je vais le laisser aller. Ouais, on a déjà baisé des montants. Ah là là. Bah, si t'as mal au cul, Thomas, à la fin, faut t'arrêtes. Hein. Oh, t'as... et tout juste, il est mal placé. Je pensais pas du tout à ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Allez, alors attends, je m'en vais acheter le champ. Pour vous, combien champ 10? Le champ 10? Champ 10, attends, fais mes véchures. Je m'en vais dessus là. 80 000. 90. Putain. 75. Moi, je dis dans les 90, ouais. Moi je dis 80 000. 75. Moi je dis 2 euros. Ok, euro symbolique. 2 euros chez le marchand. Alors, 1, 2, 3, soleil. 60 000. Oh, t'as vu, j'étais le plus près. Ouais, oui. Point de fois. Attends, je m'en vais voir pour le 11 alors. Il est un. Et le 11, je suis sûr qu'il est à 75 000 lui par contre. Non, moi je dis 70 000. Ouais, 60. Ouais. Bon, moi je dis 75 000, ouais, pareil. Moi je dis 82 000. Moi je dis 80 000. Moi je dis 70. Moi 75. 80. Dis-toi, on fait les trucs de merde là. Et après, je mets des betteraves de l'autre côté. Ouais. Attends. On a pour la machine. On va l'acheter. 94. Putain, c'est moi le plus près. Ouais. Mais Julien, il avait dit 94. Hein, 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 Julien, t'avais dit 94. Non, j'ai rien dit. Oh putain, mais. Et Thomas, où que t'as labouré comme un con là, on. tu sais, au bout du chemin là, faut remettre de l'herbe là-dessus ou pas? Ouais, Bah non, s'il a labouré, c'est pas pour mettre de l'herbe. Bah si, il voulait. Et en fait, lui, il veut labourer le chemin pour semer de l'herbe par-dessus. Pourquoi? Mais sauf que. Ça refait le chemin quoi. Non, mais ça refait. L'herbe va repousser par-dessus, t'inquiète pas. Il est con lui. Pourquoi t'as pas agrandi le champ directement? Non, mais regarde, il a agrandi, j'ai foutu le. À limite, le 10 et le 11, on pourrait les coller. Le 10 et le 11. Ouais. Ouais, bah tu. Mais ça sert à rien, l'herbe va repousser. Bah non, si tu laboures, non. Si tu laboures, bon, je me débêtera, voilà. Attends, on a pour la machine, on a plus que 200 000. Alors, tu sais, pour acheter les vaches, tout ça, ça va être chaud. J'ai plus que 2 litres, moi, Thomas. 1 litre. Bah, va faire le plein. Super. Je me du maïs, alors. Dans oui. Le 23. Ouais, on met du maïs. Parce qu'on a pas chaud. Hein. Ouais, ça fera une saison de maïs. Mais je suis à 0 litre. Vas-y, Jean-Albert, fais fumer le tracteur. Oh, le bruit de bâtard qu'il fait. Bon, bah, j'ai plus d'essence. On croit une voiture téléguidée. Ok. C'est quoi ce petit klaxon à lui? Tiens. Bug. Qui? Thomas. Quoi? Et toi, Lio? Oui, Thomas. Parce que j'ai metté ma lumière dans la gueule.
Et Thomas, qu'est-ce qu'il y a un plan là, c'est quoi 120. Non, mais pas du 120, je suis en train de semer. Mais con, lui. Ah, mais comme ça, tu semes où, toi? Le grand champ où c'est déchaumé. Et tu semes quoi? Du maïs. Ah oui. Parce qu'après, dans le 14, faudrait semer des betteraves. On n'a pas la machine, on vient de dire. Oui, mais c'est pas grave, ça. Tu peux toujours l'acheter. Ben non, il n'y a plus. Heureux. Bon, Thomas, faut que j'aille semer du... Je crois que le tracteur, il est coincé. Ah, moi, j'ai acheté la masse. Ouais, je vais acheter le Winter's Dead. Ah, pour aller semer de l'herbe. Merci. Bon, t'as acheté quoi? Le Winter's Dead, là. Ouais, il, faut 4... il faut 180 chevaux pour le tirer. On a même pas de tracteur, c'est bizarre. Bah si, t'as le jetailleur. Il fait que 117 chevaux, ton jetailleur. Bah, mais alors, il faut combien? 180. Ah, je crois que t'as dit 80. Bah attends, je vais prendre avec le mien. C'est parti. Nous, faudrait que t'achètes un plus gros tracteur. Dans la gueule. Achète tes vaches et puis t'achètes un plus gros tracteur. Attends, bah ça pour les vaches ou le tracteur? Achète les vaches que tu veux, puis tu regardes. Non, attendez. Qui te reste. Attendez, les enfants. Déjà, moi je fais le plein. Merci. Et je nettoie le tout. Enfin, je fais le plein, je nettoie le tout. Alors attendez, 114 chevaux. On a du 114, on a du pas de chevaux, du 75, du 117, du 147. Mais non, mais ce que tu fais, c'est que tu prends le T6. Eh Maxime, monte dans ton tracteur pour conduire. Eh ben, tu prends, hey, Thomas, tu prends le casque. Attends, j'ai envie de tester avec celui-là. T'as envie de tester? Ah oui. Et moi, je vais où, Thomas? Dans le champ 10 là? C'est bon. Ouais, tu peux le semer en blé celui-là. Putain, mais casse-toi! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je remplis le mien. Au pire, viens m'aider avec moi semer de l'herbe. Ouais, si tu veux. On va du boulot. Attends, et faut vous. Et venez voir l'expo parce que là, je sens que ça va être gentil. Ça. Quel expo? Bah, tu vois, s'il arrive à tirer ça, lui. Bah, attends-moi! Déjà que tu vas plus vite que moi. Attends, je perds pas de temps parce que si je me fais humilier. C'est qui a mis des betteraves à semer? C'est pas moi. Oh, putain. Dans le. Ouais, d'accord. Dans 23. Bon, bah, c'est pas grave. Putain, en plus dans le 23. Bon, c'est pas grave, on achètera la machine au pire. On ira refaire un peu de bois. Moi, je veux bien aller en faire tout de suite si tu veux. T'as plus rien à faire? Bah, non. Bon, bah, vas-y. Bah, non, parce qu'il nous suit, ce con. Il a acheté de livre. Qui est-ce qui vient causer sur Skype? Pas Florian. Ouais, je pense. Donc bon les amis, on va se dire à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc voilà, on vous aura présenté les grosses améliorations, quand même, grosses améliorations. Donc on vous dit dans 2 mois, comme ça on aura fini la carrière. Voilà. Voilà. On aura peut-être acheté tous les champs, merci. Voilà, merci. On aura peut-être un 600 chaud, on sait pas encore. Donc moi je vous invite à liker, commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc moi les amis, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. Salut. Salut. Oh, comment qu'il glisse bien. Beaucoup. Allez, à la prochaine.